Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser aux jeux sandbox et open world en revenant progressivement aux origines en regardant un peu tous les genres du monde vidéoludique que proposent ces jeux en mode open world. Actuellement ce genre de jeu est très populaire et propose aux joueurs de parcourir des mondes avec une grande liberté d'action sur une carte la plus vaste possible, c'est pourquoi on parle d'open world, de monde ouvert. La notion de sandbox décrit elle un jeu dit bac à sable, c'est-à-dire que les objectifs pour le joueur ne sont pas définis par les développeurs. Le joueur peut explorer un monde à sa guise sans contrainte, il définit lui-même ses objectifs. La seule limite est l'imagination du joueur. Les obstacles et les murs invisibles n'ont qu'une présence limitée et un maximum d'activités sont proposées aux joueurs. Aujourd'hui, la formule open world et sandbox est très populaire et intègre plusieurs catégories de jeux. Le joueur construit sa partie, son jeu, comme bon lui semble, à l'image de Minecraft, représentant parfaitement cette notion de sandbox. Tous les jeux de construction, les city builders, font aussi partie de ce genre. Les jeux de survie, très à la mode en ce moment, rajoutent une touche sociale, avec la part importante du mode multijoueur, les interactions entre les joueurs. Des jeux comme DayZ et son potentiel, puisque le jeu est encore en développement, est un bon exemple pour assurer sa popularité, principalement grâce à YouTube et aux sites de streaming montrant des vidéos de joueurs s'amusant sur ce genre de jeu, et du coup son aspect viral qui renforce sa popularité. D'autres jeux comme Batman Arkham Asylum, sorti en 2010, un des jeux de super-héros les mieux notés par la presse spécialisée, qui n'est pas forcément un gage d'objectivité, Infamous, sorti en 2009, s'inspirant des comics américains, Prototype, sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360, dans lequel le héros Alex Mercer a des super-pouvoirs, ou encore Crackdown, un GTA-like sorti en 2007 sur Xbox 360, dont le héros est plus ou moins génétiquement modifié. On voit bien que les jeux de super-héros ne sont pas en reste en proposant des univers open world. On en vient donc au jeu FPS, jeu de tir à la première personne, qui sont sans conteste le style de jeu le plus populaire actuellement et ne peuvent échapper à la présence de monde ouvert. Un jeu comme Borderlands ne propose plus un jeu linéaire dans des couloirs, mais plutôt des cartes à explorer avec différentes missions à réaliser. C'est aussi le cas de la série des Stalkers. La série des Far Cry fut sans doute le premier FPS open world, le premier à avoir une structure de mission linéaire certes, mais avec un environnement et des obstacles qui pouvaient être appréhendés de multiples façons. Tous les jeux ouverts modernes ne sont en fait que l'émanation d'une seule franchise particulièrement influente, un jeu qui à lui seul a créé un nouveau genre, reste encore plus populaire que jamais, Grand Theft Auto. Cette série a inspiré des milliers de clones, des GTA-like, et a construit une formule immédiatement reconnaissable avec de la conduite, du shooting et une histoire principale divisée en missions, ainsi qu'une ribambelle d'objets à collectionner, ainsi que des mini-jeux afin de divertir au maximum le joueur. C'est Grand Theft Auto 3 qui sera le premier à établir bon nombre de ses conventions, un jeu audacieux en 3D et qui a conduit à une vague vidéoludique populaire. La capacité de parcourir Liberty City en 3D au lieu d'une vue de dessus a rendu le jeu plus convaincant. Ce n'était pourtant pas la première tentative d'offrir une ville en 3D, des jeux de voitures comme Driver ou Midtown Madness avaient eux aussi proposé une action basée sur la liberté de mouvement dans une ville. Shenmue, lui, sera le pionnier en ce qui concerne l'exploration d'une ville mais à pied. Ou encore Body Harvest, un GTA-like sorti sur Nintendo 64 en 1998, développé par le studio DMA Design, qui deviendra plus tard Rockstar North, le développeur de la série GTA, qui à cette époque n'en est qu'à son premier GTA. Bien que moins réaliste que dans GTA, ils ont quand même un gameplay similaire se rapprochant du sandbox, ainsi que la possibilité de conduire une multitude de véhicules. Un jeu comme GTA 3 fut donc inévitable, et surtout rendu possible grâce à l'expérience et au budget de Rockstar pour se déjouer de tous les obstacles techniques ambitieux qu'ils avaient pour ce jeu. Bien sûr, ce n'était pas le premier jeu open world, le GTA original et sa suite avaient des graphismes moins impressionnants qu'un univers en 3D, mais les éléments de gameplay caractéristiques ont été établis ici avec une structure de quête tirée des RPG, une conduite arcade, des explosions dans tous les sens et une action à la shoot'em up. Il y eut très peu de jeux d'action sandbox 3D avant, mais on peut citer quand même une tentative très avancée avec le jeu Hunter, une simulation militaire avec des graphismes en 3D polygonal et plusieurs véhicules utilisables, un jeu sorti en 1991, ce qui peut en faire un pionnier dans le domaine, un monde ouvert immense et un gameplay illimité. Mais est-ce que Hunter fut le premier jeu monde ouvert et sandbox? Pas vraiment.
Faisons un tour maintenant dans les jeux de voiture qui aujourd'hui sont évidemment en monde ouvert. Il est inconcevable maintenant de proposer un jeu de voiture dans lequel on ne pourrait pas aller où l'on veut, sur de très grandes cartes, à l'image de The Crew, sorti récemment, dans lequel on peut parcourir entièrement la carte des États-Unis avec la représentation assez réaliste de grandes villes comme Chicago, New York ou Las Vegas. Autre exemple avec Euro Truck 2, où l'on parcourt l'Europe avec son gros camion en acheminant des marchandises d'un point A à un point B. Conduire à travers un continent entier est quand même impressionnant, avec toujours un réalisme important. La carte plus modeste de Burnout Paradise fait de ce jeu quand même une expérience riche en mêlant parfaitement la conduite arcade et l'exploration d'un monde ouvert. Ces derniers jeux sont dans la droite lignée des jeux précédents comme Driver ou Midnight Club qui ont tous émergé en même temps en proposant des courses, un élément familier, mais aussi l'exploration tout nouveau à l'époque. Ces jeux ont probablement été inspirés par les GTA au début des années 2000 en faisant ce qu'on veut dans une ville avec des voitures de mieux en mieux modélisées, de belles bagnoles que le commun des mortels ne pourrait pas s'acheter. Les jeux de voitures avant étaient centrés sur des courses simples, bien limitées, mais il y eut des exceptions à l'image de VET, une simulation de conduite dans San Francisco, mais ce ne fut pas la première. Turbo Esprit, en 1986, était un jeu ambitieux à l'ère de la 8-bit avec la représentation d'une ville, mais de façon plus réaliste que n'importe quel autre jeu avant, s'approchant quasi de l'open world. Alors 1986, ce jeu de voiture était-il le premier jeu à monde ouvert? Toujours pas, puisque nous allons nous intéresser cette fois aux simulations spatiales. Rien de tel que l'espace comme surface de jeu pour errer librement, la plupart du temps dans des jeux sur PC, même si le genre connaît une renaissance récente avec des titres comme Star Citizen ou Elite Dangerous, des jeux qui reprennent en gros les principes des jeux des années 90. Les jeux de simulation spatiale sont devenus de plus en plus réalistes grâce au graphisme 3D, et ce genre est devenu très populaire comme avec le jeu Wing Commander, un des joyaux du jeu sur PC. Un des pionniers dans le genre simulation spatiale, mêlant commerce et combat spatial, un des jeux les plus influents de l'histoire du jeu vidéo, c'est Elite, sorti en 1984. Avec seulement quelques kilo-octets de données, la programmation de ce genre de jeu donna du succès au jeu, ainsi que les bases pour les jeux qui suivront. Le commerce, le combat, l'univers spatial immense, et les possibilités étaient impressionnantes pour l'époque. Alors 1984, nous nous approchons doucement des origines des jeux open world, puisque nous n'avons pas encore parlé des RPG, des jeux de rôle qui proposent des scénarios très longs, dans des univers de fantasy encore émergents, se prêtant très bien au divertissement interactif en mêlant exploration et aventure. Encore une fois, de nos jours, un open world dans les RPG est obligatoire. C'est ce que les joueurs attendent, comme dans la série de Elder Scrolls, avec Skyrim par exemple. L'open world offre des décors très bien réalisés qui charment amplement les joueurs. Le paysage est une partie essentielle de l'histoire. Les JRPG, les jeux de rôle japonais, sont assez différents, mais l'exploration est la chose commune aux RPG occidentaux. La série récurrente Final Fantasy offre un jeu qui est idéal, proposer un univers sans fin et aléatoire, avec un voyage itinérant très libre dans ses actions. La Légende de Zelda a été un jeu particulièrement très influent et a aidé à établir les règles de jeu des RPG s'associant au monde ouvert. La progression du personnage peut se faire de façon tout à fait linéaire, mais le long de notre quête, on est complètement libre d'explorer la carte, seuls certains obstacles des ennemis peuvent entraver notre progression, nous ne sommes pas forcés de nous diriger vers un seul but. Cette liberté est intrinsèque aux RPG qui se veulent crédibles aux yeux des joueurs, cette capacité à choisir où l'on veut aller ensuite, ce qui en fait une bonne aventure en ne suivant pas un chemin unique. La norme, les codes définitifs des RPG occidentaux dans les années 80, début 90, est la série des Ultima. Un monde riche ont conquis bon nombre de joueurs et a permis d'établir les conventions qui s'appliquent dorénavant aux jeux de rôle actuels. Le premier Ultima, sorti en 1981, Ultima 1 The First Age of Darkness, et même si les graphismes sont basiques à l'époque, ils étaient beaucoup plus attrayants qu'une aventure en texte. On ne lisait plus une aventure dans laquelle l'interaction était assez limitée, on vivait complètement une aventure avec des possibilités beaucoup plus nombreuses. Mais avant Ultima, il y eut déjà des RPG qui se passaient dans des donjons ou dans un prémisse de monde ouvert. Ce fut le cas du propre préquel d'Ultima qui se nomme Akalabes, et avant ça, Rogue, un jeu entre texte et graphisme avec des salles générées aléatoirement, un jeu qui définissa un genre, le roguelike, donc un monde ouvert puisque différent à chaque partie. Et encore avant ça, il y eut D&D en 1974, développé à l'université de l'Illinois, un prémisse des roguelike, un jeu d'aventure, des donjons à explorer, une inspiration tirée du jeu de rôle papier Donjons et Dragons, d'où le nom D&D, des objets magiques, des combats, un monde généré aléatoirement, un monde ouvert donc, le premier jeu open world de l'histoire des jeux vidéo donc. Cette transition du papier aux ordinateurs, l'origine des mondes ouverts, le point de départ d'un espace virtuel, la volonté des développeurs à créer des mondes vivants, l'essor de la technologie au service des jeux vidéo. Aujourd'hui, cette technologie permet d'offrir des environnements toujours plus vastes, toujours plus impressionnants. On ne risque pas d'être en pénurie de ce genre de jeu, un monde sans limite, une liberté de mouvement dans un monde ouvert, dans lequel on construit, on joue, on progresse comme on le souhaite, où l'imagination est la seule règle, c'est ça un open world. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le sujet des open world et des sandbox vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !